Waouh, wow. Non, non. Je me suis pris la porte du garage. Oh, voilà. J'ai dans le cake mangue, celui-là. Oh. Wesh. C'est parti les amis, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo les potes, parce que je pense que dans cette vidéo va se passer plein de trucs super génial. Et les potes, voilà, abonnez-vous tous à ma chaîne secondaire, elle s'appelle Soutrash, elle se trouve dans la description les amis. Voilà, on essaye d'atteindre les 100 000 abonnés et je dédicacerai tous ceux qui s'abonnent à la chaîne. Du coup voilà, t'appuies sur le lien de ma chaîne secondaire, tu t'abonnes et c'est nickel. Et t'oublie pas le petit like de la vidéo qui fait plaisir. Et c'est parti les potes. Bon, pour tous ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier les potes, mes enfants ont braqué une banque comme la Casa des Papels. C'était carrément ça les potes, ils ont fait n'importe quoi avec des armes et tout, vraiment les potes. Je vous conseille plutôt d'aller la voir, ma dernière vidéo elle était vraiment super cool. Et c'est parti les amis, je vais aller voir que font mes enfants, parce que bon, ils ont eu quand même des millions et des millions d'euros, et je vais voir qu'est-ce qu'ils font avec, ou alors qu'est-ce qu'ils sont en train de faire tout simplement. Je vais aller voir dans ma chambre parce qu'ils aiment bien s'amuser dans ma chambre. Dans ma chambre il y a l'air d'avoir personne. Ok, what? What? On entend un truc. Attendez, ça vient de leur chambre. Qu'est-ce qu'ils font? Alors attendez. What? Ah bonjour papa. Ah bah what? Ah coucou papa. On achète plein de trucs sur Amazon. Hein? Ah oui papa. Vous faites quoi là? C'est là puis oui. Sur le panier. Oui. On achète des trucs sur Amazon. Mais attendez, vous achetez quoi sur Amazon là? Bah on achète plein de trucs pour nous. Des jouets, des livres, des chocolats, des traîneaux pour les chiens. Des balles de basket. Mais attendez, mais... Plein de jouets. Mais vous achetez tout ça avec quoi les enfants? Parce que vous avez pas d'argent. Ah mais si. On achète ça avec ta carte bancaire. Ah oui papa. Avec ma carte? Bah oui, logique. Mais vous êtes pas millionnaire, pourquoi vous prenez ma carte? Parce qu'il y avait beaucoup de zéros. Voilà. What les amis? Et juste hier ils ont cambriolé une banque et là ils sont en train de s'acheter plein de jouets sur Amazon avec ma carte bancaire. Mais vas-y, arrêtez ça, moi je suis pas riche hein. Oh. Non, l'ordinateur. Oh là là, mais les enfants, faut que vous arrêtiez de faire toutes vos bêtises là. Je vous rappelle que là, vous êtes entre guillemets recherché par la police vu que vous avez cambriolé une banque. Bah oui. Comment tu sais ça, papa? Bah quand même dans les infos et tout, ça parle que de vous. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, papa. Yeah, je fais super télé, papa. Millionnaire, youpi. Quoi? Mais vous êtes pas des stars quand même, vous êtes des criminels. Ah, des criminels quoi? Des criminels? Oui. C'est quoi ce mot? Bah des criminels, c'est des bandits, des méchant quoi. Ah oui, moi je vais être un bandit papa. Et après tu sais quoi papa? Ouais. Après moi je veux être comme ça. Oh quoi? Mais Billy, mais t'as envie d'aller derrière les barreaux? Oui papa, j'aime bien les barreaux. Mais n'importe quoi. Et Billy, je te jure, le jour où la police viendra à la maison pour venir te chercher, tu rigoleras pas tant que ça hein. Je te le dis moi. Ah oui papa, t'es sûr? Bah oui, bah tu sais que la route tourne vite hein Billy, faut arrêter de faire le malin comme ça. Papa. Regardez les potes, Billy rigole de la prison, c'est vraiment n'importe quoi. Par contre la pauvre Eva, elle a peur les amis, voilà. Du coup vas-y, vous savez quoi, continuez à vous amuser, moi je vais aller regarder la télé en bas. Bah vas-y d'ailleurs, venez avec moi en bas. Vas-y du coup Billy, rechange-toi, remets-toi normal. Et vas-y Eva, vas-y viens. Du coup c'est parti les potes. Et action. Allez, vous avez que... Grand frère, tu es en train de tourner un film là. Quoi? Mais vous êtes sérieux? Mais Billy, mais Gary t'es en train de tourner un film. Mais tu crois vraiment que c'est le moment de tourner un film? Oui. Oui, ça, les films, ça s'appelle les braqueurs évadés. Et en fait, c'est passé aux infos. Si j'arrive à donner une vidéo aux agents de police, ils vont me donner de l'argent. Ouais, j'ai aidé à la justice. Mais n'importe quoi, Mégari. Mais ceux qui ont cambriolé la banque, c'est Billy et Eva. Faut pas que tu les rapportes, faut pas que tu balances. J'attends un petit peu d'argent. Oh non les amis, c'est une blague. Gary a balancé des informations à la police pour gagner un petit peu d'argent. Vas-y, enlève-moi toutes ces caméras Gary, n'importe quoi là. Oh là là, on balance pas la famille, c'est pas bien ça, tu sais. Bon, vas-y les enfants, vous faites pas trop de bêtises hein. Bon, j'ai enlevé toutes les caméras. What? What? Les enfants, cachez-vous. Attendez, attends. Voilà, là. Cachez-vous dans le salon, cachez-vous dans le salon. Où tiens? Dans le salon là-bas. OK, voilà.
cachez-vous. What, les potes? Attendez, il y a la police. Oui, police. Bonjour, monsieur les policiers. Bonjour. Comment allez-vous? Bah, je vais super bien, et vous? Ça va très bien, merci. Vous venez ici pourquoi, messieurs? Je peux vous aider? Bah oui, les informations. On a reçu des informations d'un informateur anonyme qui nous a dit éventuelles personnes qui auraient commis un braquage sont cachées dans cette maison. Quoi? Oula, qui vous a dit ça, s'il vous plaît, messieurs, là? C'est n'importe quoi. Des sources. Comme on vous a dit, c'est anonyme. Source anonyme, monsieur, vous comprenez pas? What, les amis? What? Mais what, les potes? Il y a des gens qui ont dit aux policiers que les braqueurs habitent dans cette maison. Mais non, c'est faux, messieurs, vous pouvez... Bon, écoutez, on va vous mettre... mettez-vous sur le côté et on va procéder à une recherche des éventuels individus. Bon, nous avons un mandat d'arrêt. Nous avons un mandat du juge, monsieur. D'accord, bah attendez, je vais juste dire à ma femme de se rhabiller et je reviens tout de suite. Attendez, les enfants, cachez-vous. Cachez-vous. Cachez-vous, Billy, Eva. Billy, qu'est-ce que tu fais? Va te cacher, mec. Je suis une statue, papa. Mais t'es... mais ils vont... Mais il y a la police, va te cacher, Eva. Gary, vas-y. Bon, what? Ok, bon, les amis, vite, je vais faire rentrer la police parce que, bon, sinon, ils vont casser ma porte. Bah, c'est bon, monsieur le policier, vous pouvez rentrer, il n'y a personne chez moi. Bon, c'est pas trop tôt, pas trop tôt, franchement, c'est pas trop tôt. Alors, what? Sous le tapis. Ouais, c'est une jolie maison, quand même. Ouais, c'est une grande villa, oui. Vous en faites pas, il n'y a personne chez moi. Monsieur. Waouh, très belle statue, ici. Oui. C'est vos enfants? Oui, c'est mes enfants, monsieur. Ah, ça ressemble quand même beaucoup à la description des individus, quand même. Ah, bah non, moi, mais non, pas du tout, non, je trouve pas. Enfin, vous êtes sûr? Oui, quand même, oh là là là. En tout cas, très belle statue. En tout cas, très belle statue. Hein. Ah, vous aimez la nouvelle statue que j'ai achetée tout à l'heure? Oui, elle est super bien, je l'ai achetée à 5 euros, je vous la conseille, à Ikea. Ah oui, hein. D'accord, je vais aller voir. Ok. Hein? Oh, qui a parlé? Non, Achoum! Non, c'est moi, j'ai éternué, Achoum! Moi, j'ai pas parlé! Bah attendez, j'ai un truc dans le four! C'est pas une nouvelle technologie high-tech! Ouais, c'est la nouvelle technologie, vous voyez, monsieur, c'est nouveau! Oh, non. C'est nouveau, allez, sinon, vous. C'est une poupée! Je suis un jouet! Fais-moi un câlin! Poupée! Je suis un jouet, fais-moi un câlin. Quel bel animal. Mignon là, le poulet là. Fais-moi un câlin. Oui, c'est une peluche. Fais-moi un câlin. Maison, elle est quand même un peu bizarre. Venez me faire un câlin. Non. Oh, le poulet, il a bougé. What the fuck? Non, mais c'est un poulet. C'est une nouvelle technologie, laisse-le. Ouais, voilà, c'est une nouvelle technologie, voilà. Voilà, exactement. Poulet. Je peux m'asseoir, regardez. Par contre, il me fait rappeler quelqu'un, ce poulet. Je ne sais plus qui. Ah, sûrement la mère Arazen. Et oui, voilà. Oui, sûrement voilà, c'est sûrement ça, bien oui. Sûr, bien sûr. Ouais, bah voilà, je l'ai acheté, ouais, c'est pratiquement pareil, tu vois, c'est carrément la même imitation. Oh, je savais pas qu'elle était en public, hein. Ok, attends, fais voir derrière. Made in China, d'accord. C'est pas vrai. On comprend mieux. Oui, voilà, même c'est qualités, ça. Les qualités, hein. Oh. Ouais, bah voilà. Oh là. Mais qu'est-ce qu'il faut bouger? Hop. Wow, c'est bon. Barrez-vous. Non. Je suis pris la porte du garage. Revenez, monsieur. Non. Les enfants. Ah, c'est bon, les policiers. Ah, ils se sont échappés. Sortez dehors. Ils doivent être dans le... Oh, vous volez, monsieur. Ouais, ils sont partis vers le McDo. Allez les voir, ils sont partis vers le McDo. Vite. Vite. Ok. Eh, c'est n'importe quoi ce que vous avez fait là. Je vous avais demandé de vous cacher. Et c'est... Vous avez fait l'inverse. J'ai eu une très bonne idée dans ma tête, moi. C'était la meilleure de toutes mes idées. Quand après c'est trop marrant, ils ont cru que j'étais un jouet. Bah oui, ils sont très cons, les policiers. Ouais, c'est vrai qu'ils étaient pas super intelligents non plus, les policiers. Bon, vas-y, vous savez quoi, les enfants? J'ai une idée. Billy, Eva, je vais vous emmener voir Rick, ok? Parce que bon, ils connaissent votre tête, ils savent à quoi vous ressemblez. D'accord, oui. Ok, du coup, Gary, toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas rester ici. Ouais. Ok, je vais... Mais si on était des poupées, comment ça se fait? Ils ont pas pu nous reconnaître notre tête. Bah je sais pas, ils sont bêtes, les policiers, tu sais. Nous, ce qu'on va faire, les potes, c'est parti, je vais aller voir Rick. Parce que, bon, mes enfants sont reconnaissables. Et je vais aller voir Rick pour lui dire de changer l'apparence de mes enfants. Vu que toute la ville les reconnaît, vu qu'ils ont braqué la banque juste hier. J'espère que Rick est dans son laboratoire, hein. Vraiment, j'espère qu'il est dans son labo. Bonjour, oui. Salut.
Eric, comment ça va? Oui, ça va super et toi? Oui. Ça va, ça va. Bah écoute, oui. En tout cas, il paraît que tes enfants sont passés aux journaux. Oui, mes enfants, oui. Bah, ah, t'as vu les informations? Oui, oui, oui. Ouais, bah oui, mes enfants, ils ont braqué une banque. Mais bon, voilà, c'est pour ça que je suis venu te voir. Ouais, ouais, Eva, touche à rien, Eva. Oh, touche à rien. Bah, elle a cassé la télé. Elle a cassé la télé. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Bref. Ouais, bon, voilà. Eric, en fait, je suis venu te voir. Oui. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, changer l'apparence de mes enfants? Parce que toute la ville les connaît maintenant. Je crois qu'on va procéder à une chirurgie esthétique. Ouais, vas-y, oui. Ok, c'est parfait. Du coup, les enfants, venez ici, venez devant Rick, il va vous mettre un... Papa, oui papa, papa, aïe. What? J'ai cassé une potion, papa. Oh non, mais, oh non, mais, faut pas crier, vois ça, faut pas crier, vois ça. Non, 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 vas-y, rangez ça, rangez ça, rangez ça. Débrouille. Oh non, 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 Rick, c'est rien, vas-y, rangez ça, hop là. What, les amis, Billy a cassé une potion qui était dans l'étagère, c'est n'importe quoi. Papa, j'ai la potion. On va passer sur la table d'opération. Ok, vas-y, venez sur la table d'opération, les enfants, il va vous changer. Voilà, tu changes, vas-y, ok, les potes, on va voir ce que Rick va faire à mes enfants. C'est bon, oui, oui, oui. Ok, what? C'est Eva. What? Il est passé où, Billy? C'est les effets, il sera là d'ici 5 minutes. Ah, ok, il sera là d'ici 5 minutes, d'accord, ok. Et Eva, du coup? Maintenant. Et voilà, oui, voilà, c'est bon, encore une fois. What? Voilà, normalement, d'ici 5 minutes, ils vont apparaître et ils vont se totalement modifier. Ok, du coup, les amis, d'accord, Rick, ok, d'accord, ça marche. Bah, merci beaucoup, Rick. Les potes, d'ici 5 minutes, enfin 5 secondes, mes enfants vont pas tarder à réapparaître, mais avec une apparence totalement différente, c'est ça, Rick, hein? Oui, oui, tout à fait, oui. Ok, ça marche, bon. What? Mais c'est marrant, Rick, t'es sérieux? Mais oui, parce que... What? Billy, Eva, vous allez bien? Oui. Oh oui, ça va très bien. What? Mais Billy, mais t'es sûr que ça va? Oh oui, j'aime te placer, Tandou. What, les amis? Regardez-les, ils ont une tête complètement bizarre. Bon, là, c'est sûr que là, ils vont pas être reconnus dans la rue, là, c'est sûr. Hein. Mais ils ne vont pas être reconnus par la police. Mais par contre, ils vont sûrement être prêts dans un zoo. Hein. Bah là, c'est sûr que là, ils ont... What? Regardez, ils ont des pattes d'araignée, des queues d'écureuil, des ailes et tout. C'est vraiment super bizarre. What? Incroyable, les amis. Regardez, les amis, dites-nous dans les commentaires, s'il vous plaît. Oula. Oula, attendez, attendez. What? C'est qui toque, là? Je vais ouvrir. Vas-y. Oula. Oh, police. Vous revoilà, vous? Oh, bonjour, monsieur la police. Oui? Bah, on n'est pas venu pour vous pour l'instant. On est pour vous, pour le professeur. Oui, oui, vous voulez quoi? Oui, oui. Alors, on a récupéré chez la maison de monsieur des échantillons et des ADN digitales et quelques empreintes. Vous auriez nous les analyser? Évidemment, mais oui. Mais tais-toi. Par contre, c'est quoi ces monstres là? Non, c'est pas du tout mes enfants. Non, en fait, c'est des robots que j'ai créés. Oh, voilà. Donkey Kong, celui-là. Oh. Wesh. What, les amis? Mais c'est pas un singe non plus. Quand même. Ouais, alors, prenez les empreintes. Oui. Et les achintions, tout ça, voilà. Oui. Bon, les enfants, vous pouvez arrêter. Vous voulez que je fasse quoi avec vos échantillons, machin? Les a analysés. En gros, on a récupéré sur la scène de crime les enfants de monsieur. Bon, vous dites pas que vous êtes d'accord, mes enfants, merci d'accord beaucoup. On se connaît pas. Par contre, monsieur. Oui, monsieur le policier. Oui, bah je pense que ces deux guignols là vont rentrer dans cette porte et ne vont plus ressortir parce que bon, c'est leur maison quand même. Allez, rentrez dedans. Allez, ciao. Bon, ok, c'est bon, les potes. Attendez, vous venez d'enfermer des êtres vivants dans un coffre-fort? Non, c'est pas des êtres. C'est pas très légal, ça. C'est pas très légal, normalement. Mais c'est pas mes expériences à moi, c'est ceux du docteur qui est derrière vous. Il est bizarre, monsieur. C'est votre idée à vous? J'analysais. Oui, c'est. Ce sont mes bestioles, hein. Mais ceux qui. Venez voir, ceux qui ont braqué la banque, ils viennent du Kazakhstan et de l'Ouzbékistan. Ils ne sont pas d'ici. Voilà, je vous ai dit, c'est pas mes enfants. Ah, mais pas les pirates, vous savez. Oui, bah oui, c'est bon, maintenant vous pouvez rentrer. Écoutez, monsieur.
Monsieur comment déjà? Souka. D'accord, monsieur Souka, nous sommes désolés. Oui. Et vous nous présentons nos plus pleines excuses. Et on vous dit au revoir et au plaisir de ne plus jamais vous revoir, j'espère. Oh oui, j'espère aussi, au revoir. Oh, qu'est-ce qu'il faut là, ce truc? Rentrez dans votre cage. Allez, au revoir, allez, au revoir, messieurs les policiers. What, les amis, c'est incroyable. Les policiers n'y ont vu que du feu, les potes. Le plan a marché comme sur des roulettes. Et voilà, les potes, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, les potes. S'il y a 10 000 likes à cette vidéo, les potes, j'appellerai la police et je leur dirai que mes enfants sont chez moi et que c'est eux qu'il faut arrêter. Et ensuite, mes enfants iront en prison, les amis. Voilà, il faut mettre des pouces bleus, les potes. Si vous voulez que mes enfants vont en prison et qu'on se tape des barres, qu'on les voit quand ils sont en prison et tout, ça pourrait être trop, trop cool. Bref, les amis, j'aimerais aussi remercier Alexandre, Biloul, Blaze, Nato et Stan Officiel d'avoir participé à cette vidéo. Ça fait trop, trop plaisir. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. C'était Souka. Ciao.